Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, nous prenons deux petites minutes pour t'accueillir, pour être avec toi. Nous te demandons de te manifester dans ceux et celles que nous allons rencontrer afin que nous puissions te reconnaître dans leur sourire ou dans leur tristesse. Nous avons besoin de te sentir présent près de nous, Seigneur. Aide-nous à te trouver, à t'entendre, à t'écouter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les Lazaires. Votre GDE vous a organisé une semaine champêtre avec une journée thème différente à chaque jour pour la semaine prochaine. Lundi prochain, c'est Noël en jubin. Portez des vêtements rouges, verts ou blancs. Vous pouvez aussi porter un chandail lait de Noël. Bonne journée! J'ai toujours aimé avoir un rôle de leader. Cette année, je suis ministre de la francophonie et j'ai adoré mon expérience au sein du GDE. J'ai appris plusieurs choses cette année et j'ai eu la chance de vivre plusieurs belles expériences. J'ai aussi appris à connaître d'autres personnes qui, eux aussi, sont des leaders. Donc, j'ai beaucoup appris avec mon expérience dans un gouvernement. Bonjour les Lazares, vous me connaissez déjà. Je me nomme Nancy et je suis en 7e année. Je me présente pour le poste de représentante des élèves de la 8e année pour l'année scolaire 2022-2023. J'aimerais apporter un peu plus d'activité pour nous les élèves du pavillon. Si je suis élue en tant que représentante, j'espère que vous me suggéreriez des activités et événements et j'essaierai de les assimiler à notre horaire. Je suis vraiment prête à m'impliquer en tant que représentante des élèves. Je suis vraiment motivée, enthousiaste, alors votez pour moi! Salut, c'est Anna, votre représentante de 7e 2021-2022. Je souhaite continuer à vous représenter en 8e. Votez Anna-Marie Rona pour une représentation dynamique et juste. Moi, un élève engagé, énergétique, bilingue, créatif, ayant du potentiel et un bon sens de leadership, j'espère vous amener des activités et des concours amusantes pour vous et pour vos amis. Bonjour les Lazares. Je m'appelle Selena et je me présente comme représentante des 8e années pour l'année scolaire 2022-2023. Je fais partie du programme d'enrichissement et de préconcentration scientifique et l'école, c'est très important pour moi. J'aime apprendre, mais surtout, j'aime collaborer avec les autres élèves de ma classe et mes enseignants et enseignantes. Je suis une personne dynamique et active, studieuse et déterminée. Si vous m'élisez comme représentante, je ferai de mon mieux pour mettre de l'avant vos idées au GDE et d'informer les autres membres de vos préoccupations. Surtout, je vous écouterai et serai intéressée à mieux vous connaître chacun et chacune. Bonjour les Lazares, je m'appelle Arlette Morissa, je présente ma candidature pour le GDE car je suis la personne qu'il vous faut pour vous représenter. Oui, moi, Arlette Morissa. J'ai appris plusieurs choses cette année et j'ai eu la chance de vivre plusieurs belles expériences. J'ai aussi appris à connaître d'autres personnes qui, eux aussi, sont des leaders. Donc, j'ai beaucoup appris avec mon expérience dans un gouvernement. Je trouve que je serais idéale pour ce poste, car j'adore mon école et ses élèves. Alors, tisser des nouveaux liens plus forts avec tous mes camarades de classe me ferait pleine de joie. Aujourd'hui, tous les élèves de la 7e à la 11e année de Samuel Genet peuvent voter pour élire les prochains membres qui formeront le GDE de l'année scolaire 2022-2023. Le bulletin de vote est disponible dans les classrooms de niveau de 8h15 à 15h30 toute la journée. Chaque élève peut compléter le bulletin de vote du GDE une seule fois. Les résultats seront dévoilés vendredi le 10 mai. Bonne chance à tous les candidats qui se présentent aux élections!